Donc là, nous sommes dans la première alvéole de la base sous-marine de Bordeaux, qui est une alvéole qui a été construite pour abriter des sous-marins pendant la Deuxième Guerre mondiale, au départ italien, puis allemand après. Dans ces bassins, on pouvait abriter deux sous-marins, et pour ça, l'architecture est très grande. Il y a 20 mètres de large dans chacun des bassins, 15 mètres de profondeur, 12 mètres de haut, qui permettaient de faire entrer les sous-marins par un système d'écluse, de les mettre en cale sèche, et ensuite de faire la maintenance de ces machines et de les entretenir. C'est absolument gigantesque puisque ça fait plus de 100 mètres de large sur 100 mètres de long. Il y a un peu plus d'un hectare de la base sous-marine qui est dédiée à notre occupation aujourd'hui. Pour nous, c'est un défi ici parce que le lieu est tellement gigantesque avec du béton, de l'eau, des grands volumes. Et c'est tout ce qu'il faut pour avoir une diffusion sonore mauvaise à cause de la réverbération, à cause de l'image qui va taper sur un mur, renvoyer de l'autre et nous faire un message complètement brouillé. Donc on a travaillé avec une installation extrêmement précise, avec des très très grandes études acoustiques pour justement relever ce défi et permettre aux visiteurs d'avoir une qualité d'écoute extrêmement pure et extrêmement bonne. Pour ça, on a pris des enceintes très particulières. Dans chaque enceinte, des grands tubes, vous avez 32 petites enceintes à l'intérieur qui permettent d'avoir un son extrêmement directif. Alors avant de projeter des œuvres d'art sur les murs de la base sous-marine et des bassins de lumière, il faut d'abord caler les vidéoprojecteurs. Et pour faire ça, on projette des mires pour que l'image envoyée par le projecteur corresponde parfaitement à la taille et à la surface du mur. L'été dernier, le travail avait déjà commencé avant l'intégration technique sur site, notamment pour faire toute la modélisation 3D du bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui est assez complexe avec les ouvertures sur les bassins. Et ce qui a permis ensuite d'établir le nombre de vidéoprojecteurs pour couvrir tous les murs, en fait, tout l'espace pixellaire qui allait être utilisé. Donc on peut voir ici des zones de flou. Donc ça nous permet aussi de faire nos réglages de projection. Et en fait, cette mire, comme il y a une séquence de chiffres, il faut que la séquence se suive pour qu'on soit bien aligné et sur les bons murs. C'est ici que tout est lancé, c'est le centre vraiment de commande des diffusions au bassin des lumières. En comparaison avec une télé HD qui est du 1920 par 1080 pixels, qui fait du 1,2 million de pixels, ici on se retrouve avec du 40 000 par 20 000 pixels, avec donc 800 millions de pixels de projection. À partir de cet ordinateur qui est relié en Wi-Fi à la salle des serveurs, nous pouvons diffuser et envoyer le show n'importe où à l'intérieur de la base sous-marine. Là, on a juste à appuyer sur espace pour pouvoir lancer un extrait du show clé. Il s'agit quand même du plus grand site multimédia fixe intérieur au monde, donc c'est une installation vraiment démonte.
On doit faire appel à des studios ou à des artistes de vraie renommée et qui ont une vraie expérience de ce travail-là. Pour Klimt, nous avons fait appel à une équipe avec laquelle nous travaillons depuis très longtemps, qui est rassemblée autour de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Maximiano Sicardi, qui s'appelle Arfacto. Ce sont des artistes italiens qui nous ont accompagnés depuis très longtemps aux Carrières de Lumière et à l'Atelier des Lumières à Paris. Et pour l'exposition Paul Klee, nous avons fait appel à un studio qui s'appelle Cutback, avec laquelle nous travaillons depuis un an, qui apporte, parce qu'il travaille dans le domaine du concert, de la musique et des images, un vrai dynamisme, que ce soit dans les couleurs et dans le son, et qui permet d'apporter une approche différente, assez contemporaine, tout en gardant, comme pour Arfacto, qui a cette vraie volonté de respecter les œuvres d'art, un travail vraiment esthétique et artistique. Moi, je suis vénitien, donc les reflets sur l'eau, c'est voilà, tous mes souvenirs d'enfance. Et là, je peux enfin m'amuser à l'utiliser au niveau artistique. Le public, il doit choisir sa place. Et il y a, je dirais, des centaines de points de vue différents. À différence qu'au cinéma, où on est assis et on a un écran devant, et il y a un seul point de vue, une seule possibilité de voir. Donc pour tout le monde, c'est pareil. Dans une exposition immersive, chacun, en fonction de son déplacement, va voir certaines choses à la place d'autres, va donc en quelque sorte modifier aussi la réalisation. Et ça, c'est le côté plus intéressant. La citerne, on a le projet de couvrir la totalité du sol. Là, on est en train d'ajouter un vidéoprojecteur, justement, parce qu'il nous manque la partie centrale de la citerne à couvrir. Pour vous montrer un peu le côté immersif du cube, on va vous lancer un court extrait de la création contemporaine proposée par le collectif Ouch. C'est parti. C'est très riche, c'est très connu avec le baiser. Il y a des portraits très, très sensibles avec les portraits de femmes, avec des tons bleus magnifiques, des tons d'or magnifiques. Et tout ça, en fait, ça fait une œuvre très envoûtante. Le reflet et cette eau dédoublent les images, créent des mouvements supplémentaires. Et du coup, l'œuvre de Klimt est vraiment magnifiée ici. Donc, on a à la fois un très grand peintre, une très belle matière à travailler et un très beau support, ce qui te permet de faire un triptyque pour une magnifique exposition. L'exposition plus courte, qui dure 10 minutes, est consacrée à Paul Klee. C'est une exposition qui va mettre en dialogue les peintures de Klee, très graphiques, très parfois amusantes, parfois plus sérieuses et plus profondes, et qu'on va mélanger avec la flûte enchantée de Mozart, qui va donner ce côté espiègle qui va très bien à l'œuvre de Klee, mais mélangé avec beaucoup de profondeur, où là aussi on a ce partage entre les deux artistes. La bâche que vous voyez derrière, ce n'est pas simplement un tissu tendu, c'est toute une cloison acoustique avec une largeur totale de quasiment 1,20 m qui permet de boucler le son et qu'on ne produise aucune nuisance à l'extérieur et que l'expérience se passe de manière absolument complète, mais dans les bassins de lumière et pas dehors.
Une des vraies contraintes qu'on a ici, c'est la question de l'humidité et le fait que cette eau de la Garonne est un peu saline et du coup peut corroder les circuits électroniques. Donc on a dû mettre toutes les machines dans des caissons étanches que vous voyez ici. J'appelle par machine les vidéoprojecteurs. Ce n'est pas juste des grosses boîtiers qu'on accroche au plafond. C'est tout un système lui aussi microélectronique parce que tout le système est ventilé. On gère l'arrivée de sel, on a des filtres à air, on gère la température, on gère l'humidité, on gère la ventilation à l'intérieur. Donc c'est toute une technique elle-même dans chaque caisson qui est embarquée pour pouvoir permettre une diffusion vraiment de grande qualité pendant toute la durée de l'exploitation sans risque de panne et d'arrêt involontaire de l'image. Ouais, on va en faire 11 et on termine à 19h pile, du coup. Ouais, c'est magnifique. Ah, on est bien, là. On est bien. C'était hors du temps. Un moment, j'ai même pas de terme pour le dire, c'était merveilleux. Il y a un moment donné où il y a beaucoup d'œuvres sur la nature. Et c'est là où, en fait, il y a une réelle différence entre... Fait les couleurs qui ressortent vivement. Moi, j'ai trouvé ça très génial. Avec les lumières, etc., ça faisait un peu peur parce qu'on voyait de tous les côtés. Et du coup, on enregistre beaucoup de choses en même temps. J'en ai eu des frissons, tout simplement, parce qu'il y a cette musique qui est forte, qui semble forte pour les enfants, mais pour nous, qui nous remplit vraiment de cette émotion qu'on attend. Je trouve que l'idée de réhabiliter un ancien bâtiment militaire et de mort vers de l'art et vers une espèce de renaissance, c'est superbe. J'attends une explication technique, une visite technique, moi, pour savoir comment on fait tout ça.